Là. Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans cet épisode 38 de Coin du DVD. Épisode 38 donc toujours sous le signe de la lettre S. J'avais déjà pas mal évoqué la semaine dernière ce que j'avais dans la lettre S. J'ai quelques films qui me sont un peu revenus en tête. Dans la lettre S par exemple j'ai le Sherlock Holmes de Guy Ritchie que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très inventif et très créatif dans sa conception du personnage et qui arrive vraiment à le moderniser tout en restant dans une époque un peu victorienne. J'ai Sabotage de David Ayer, que je trouve pas forcément très subtil, mais qui me fait marrer. Voir Schwarzenegger en chef d'élite d'une unité d'intervention, ça a quelque chose de crétin, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Et c'est très beau, en plus, comme film, mais ça me fait beaucoup rire. J'ai Sunshine aussi, de Danny Boyle. Sunshine que j'aime beaucoup, que je trouve très particulier dans son genre, et qui a déjà un petit peu des affres d'Interstellar avant l'heure. Ce qui me fait toujours penser que parfois Christopher Nolan va un peu piocher du côté de certains comparses britanniques avant de pondre des concepts très inventifs. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me diront pas le contraire par rapport à ça. Et donc il y a le film que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, qui est très différent encore une fois. Parce que je vous avais dit la semaine dernière, j'ai une lettre S très hétéroclite dans ma DVD Tech. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui a tout pour être une production Will Ferrell. Pur délire, complètement fumé, débile, régressif, qui va à fond dans sa démarche, c'est-à-dire jusqu'à carrément sortir un single avec le personnage principal dessus. Ils ont vraiment sorti un single en plus, aux États-Unis en tout cas, pas forcément en France. Il s'agit du délire fumé qui se nomme Semi-Pro, réalisé par Kent Alterman. Alors l'histoire c'est... Comment dire ? C'est un des films les plus cons que j'ai vu de ma vie. Dans le sens où c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Jackie Moon, surtout connu pour avoir fait un gros tube et avoir une équipe de basket de dernière ligue. Et en fait, au moment où il s'apprête à créer la NBA et où ils vont garder les meilleurs clubs, ben son club, il se rend compte qu'il est trop mauvais. Et il décide de rendre son équipe bonne en saluant à la fois les avis d'un ancien champion de la ligue majeure de basket. Et voilà. Et comme ça, ça peut sembler très sérieux. On a vraiment l'impression limite de voir The Way Back avec Ben Affleck qui est sorti dernièrement, de se dire waouh, c'est hyper profond. Non, 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 non. Et... Regardez la pochette. C'est pas subtil comme film. Même assez débile. Mais c'est drôle. Parce que c'est vraiment un délire. C'est-à-dire que la structure dramatique de Scott Armstrong, qui est un scénariste qui est plutôt habitué des comédies, on va dire, assez premier degré, veut vraiment aller dans l'optique de « Ok, il faut que ça soit le plus premier degré possible. » Et ensuite, je vais y greffer de la comédie. Du coup, il nous a fait une histoire bien fournie, avec des évolutions de personnages, avec des caractères bien trempés, etc. Et ensuite, il s'est dit « Vas-y, on va juste mettre des blagues débiles au milieu et on va voir si ça marche bien. » Ça marche la moitié du temps. Soyons sincères, c'est quand même pas non plus une perlouse. Il y a vraiment des instants où on se dit « Ok, Semi-Pro est un délire qui ne fonctionne pas. » Mais l'autre majorité du temps, on se retrouve devant une comédie qui est emmenée notamment par un Will Ferrell qui s'y croit à mort et qui a envie de nous faire taper des barres, et par un Woody Harrelson qui, bien avant Zombieland, démontre un, pardon du terme, putain de talent comique. Je trouve l'acteur vraiment à mourir de rire et il y a des séquences qui sont assez jouissives, notamment quand il va retrouver son ex-femme et qu'il y a le nouveau mari de son ex-femme qui est juste fan de lui. Et les séquences sont débiles, mais elles sont drôles. Et il y a une mécanique comique qui est très particulière dans ce film, c'est cette idée de constamment avoir cette histoire donc hyper sérieuse et de toujours amener un élément absurde au sein du sérieux. Et c'est une démarche comique, moi, à laquelle je suis très réceptif parce que ça me rappelle beaucoup la démarche employée par Adam McKay, par exemple, plus sur sa partie Ricky Bobby, roi du circuit, et Frangin malgré eux, que sur la partie The Big Short et Vice. Là, pour le coup, c'est une partie assez différente. Quoique, on garde quand même les mêmes éléments. Mais en tout cas, dans Ricky Bobby, roi du circuit, et dans Frangin malgré eux, il y a toujours cette optique d'avoir cette base qui peut sembler très sérieuse, voire limite proche du drame familial dans Frangin malgré eux, dans le sens où c'est une famille recomposée qui va se former et deux frangins qui vont devoir partager des points communs ou s'opposer et mettre des quarantenaires à la place. Ce qui est génial. C'est, un jour, on aura l'occasion d'en parler, mais Frangin malgré eux, c'est l'une des meilleures comédies que j'ai eu l'occasion de regarder. Il y a
Dans Ricky Bobby, Roi du Circuit, il y a cette même optique, cette idée que le pitch de base est vraiment de l'ordre de Jour de tonnerre, avec Tom Cruise, genre vraiment à l'identique, et on greffe des éléments débiles au milieu, comme Sacha Baron Cohen qui joue le français. Ricky Bobby! C'est extraordinaire. Et dans Semi-Pro, il y a cette même optique, mais en beaucoup moins subtile, parce que Kent Alterman n'a pas le talent d'un Adam McKay. Et donc, du coup, on se passe constamment à voir des petits éléments de comédie popés à gauche et à droite au milieu d'une trame très premier degré et très facile. Et c'est ça, en fait, qui fonctionne dans ce film. C'est ça qui fait que même si c'est con, même si c'est régressif, même si c'est débile, complètement crétin par moments, et voire limite fumé du bocal, on se laisse emporter par cette espèce de petite vibe un peu. 70s, sous acide, fait par des mecs qui n'ont jamais grandi dans les 70s. Mais bref, c'est ça en fait qui m'amuse dans ce film, c'est d'avoir cette sensation que peut-être c'est pas subtil, pas élégant, mais au moins on se laisse entraîner. Et le film, pour le coup, et en tout cas le DVD, est bien fourni en termes de bonus, parce que déjà, il y a le clip Love Me Sexy, qui est une perlouse. Quand vous écouterez cette chanson, vous allez vous taper des barres, parce que c'est l'une des chansons les plus débile que j'ai entendu de ma vie, mais je la trouve drôle, mais elle est tellement drôle. Il y a pas mal de bonus finalement autour des acteurs, autour de la construction du film, autour de comment acheminer la comédie. Bien évidemment, malheureusement, dans ce genre de film, il y a bêtisier. Pas toujours très drôle en fait. Généralement, les bêtisiers de comédie, c'est cet instant où on se sent assez mal à l'aise et où on se dit ouais, c'est non, ne nous montrez pas ça. Il y a des comédies françaises qui ont essayé de le faire pendant un temps. C'est très malaisant. Très très malaisant. Mais en tout cas, ouais, vous l'aurez compris, Semi-Pro, c'est pas une perlouse. Hein. C'est pas un long métrage que je vous ai sorti où, genre, je vais vous dire, c'est le long métrage le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Mais on se tape une bonne barre devant parce que c'est juste débile. Et parfois, il faut juste un petit concept débile pour réussir à nous amuser durant une bonne soirée avec des potes. Et ouais, Semi-Pro, pour le coup, c'est le genre de film que je vous conseille dans cette optique-là. Marrez-vous bien avec une bande de potes et je pense que vous pourrez accrocher au délire de Kent Alterman. Parce que sinon, vous allez vite vous dire, c'est lassant et c'est un peu débile et vous auriez certainement raison. Ainsi s'achève donc cet épisode 38 de Au coin du DVD. Comme d'habitude, que vous ayez vu ou que vous n'ayez pas vu Semi-Pro, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez dribblé avec Will Ferrell et Woody Harrelson ou si vous avez juste passé la main à Michael Jordan ou à Ben Affleck sur le côté. Et comme d'habitude, pour conclure, je vais simplement vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.